Alors voici les trois cartes disponibles au collège. Donc nous avons la carte autoprog avec un Picax où on voit bien qu'il y a d'un côté les entrées numériques et les sorties. Ensuite nous avons les deux autres cartes. La carte MCore où il y a déjà des capteurs et des actionneurs de brancher ou de souder sur la carte, mais on peut en rajouter d'autres ici là. Et puis la carte microbit, où pareil que la MCore, il y a déjà des capteurs d'incorporés, donc et on peut rajouter aussi des actionneurs ou des capteurs. Donc ces trois boîtiers s'appellent des interfaces, et ils font la liaison entre différentes parties, soit l'homme et la machine, c'est-à-dire par l'intermédiaire de voyants ou de sonneries, donc elles nous préviennent, mais aussi elles font la liaison entre les capteurs et les actionneurs. Donc ici, nous avons les entrées, donc nous pourrons mettre des capteurs, et sur l'autoprog, ici, il y a marqué les sorties où nous mettrons des actionneurs, c'est-à-dire des moteurs, des résistances, des voyants, des buzzers. Et dans les capteurs, nous pourrons y mettre des sondes de thermomètre, des boutons, des capteurs de présence, etc. Alors, pour ces deux cartes-là, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de capteurs et d'actionneurs de soudés sur les cartes. Donc, on peut en rajouter plein d'autres, hein, bien sûr, mais c'est des cartes qui sont déjà prééquipées et qui sont intéressantes.